Bon matin tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous ce matin. Ça fait 36 fois que je vois des Creative Morning passer. Je me dis, il faudrait vraiment que j'y aille. Mais j'ai deux jeunes enfants, je vais vous en parler un petit peu plus tard, 8 heures le matin. C'était pas évident, mais c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui m'a amené où on est en ce moment. Puis être pionnier, défricheur, dessoucheur, des fois tu te cognes le marteau sur les doigts, il y a toutes sortes de trucs qui arrivent. Fait que je vais essayer de vous raconter notre histoire du mieux que je peux. J'ai toujours été passionné par l'idée de créer des expériences, des spectacles. Je joue de la musique depuis que j'ai 4 ans. Puis faire des expériences, des spectacles. Au secondaire, mon premier spectacle, je m'étais vraiment chicané avec mon directeur parce qu'il ne voulait pas qu'on ait de machine à glace sèche qui fait de la fumée sur la scène. Puis ça ne marchera pas, là, ça prend des moving lights, ça prend de la glace sèche. Puis secondaire en spectacle, d'habitude, c'est ça pas nécessairement... Fait que j'avais trouvé 3 000 d'argent de commanditaire pour qu'on puisse louer de l'équipement puis faire un spectacle grandiose. Puis, il y avait même une introduction avec une toune du style Seigneur des Anneaux qui, au début du spectacle, commençait, tout le spectacle était dans le noir, puis c'était le spectacle le plus épique qu'il y a eu dans cette école secondaire-là. La musique, les arts m'ont amené à un moment donné à travailler avec toutes sortes de créateurs. J'ai créé Saga Film avec mon ami Samuel, qui est ici. Tu ne savais pas que j'allais te nommer, hein? Puis dans ma gang d'artistes, j'étais le plus organisé, je dirais. C'est moi qui comptais, c'est moi qui faisais la logistique. Mais à la base, ce qui m'a amené à faire du cinéma, c'est la musique. J'ai fait de la musique pour des films, j'ai fait de la musique pour les premiers courts-métrages de Sam. Puis quand on était au cégep, on signait nos films étudiants Saga Film Production. Saga Film est devenu Saga, puis je vais vous raconter un petit peu comment, mais c'est par la musique puis les arts puis mon côté débrouillard que j'ai appris sur le tas puis je suis devenu un entrepreneur. Donc, la musique à la base, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à jouer dans un groupe hommage à Dream Theater. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, c'est du rock progressif, c'est des tunes de 15 minutes pleines de solos. J'ai passé mes soirées, mes fins de semaine à pratiquer pour être capable de jouer ces tunes-là avec les gars de 35 ans avec qui je jouais. Fait que j'ai joué dans les bars à partir de 15 ans. Quand j'ai étudié en musique, on avait un travail de fin de session à faire où il fallait enregistrer une pièce, composer une pièce, puis l'enregistrer avec trois instruments. Nous, on s'est mis en équipe, et on a fait une symphonie, on l'a enregistrée avec 150 personnes. Une chorale d'enfants, une chorale d'hommes, de femmes. Puis on a passé un mois à enregistrer, puis un mois à mixer. La chanson, elle s'appelle Still Brother. Puis dans Google Slide, on ne peut pas mettre de musique, sinon je vous l'aurais fait entendre. Après ça, le cinéma, la publicité, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup raconter des histoires, mais j'ai réalisé qu'il y avait un potentiel complètement hallucinant aussi de les raconter de manière de plus en plus immersive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans, le téléphone qu'on utilise à toutes les 5 minutes en ce moment, il n'existait pas vraiment. À chaque fois qu'il y avait ces nouveaux médiums-là qui apparaissaient, je me disais, il y a des choses hallucinantes à faire avec ça. Puis, ça s'appelle le transmédia. L'idée de raconter une histoire à travers plusieurs plateformes, c'est une vision qui n'a jamais vraiment réussi à se matérialiser. Ça a été un buzzword qui a été repris un peu par les agences de publicité à un moment donné, puis c'est devenu un mot de publicité, de marketing, puis finalement, à un moment donné, ça l'a tombé. Mais l'idée de raconter une histoire immersive à cause des différents médiums, au début, c'était le téléphone, Internet, le jeu vidéo, la télévision, mais il n'y avait pas encore la dimension physique qui était vraiment bien exécutée, qui, selon moi, est ce qui manquait. Mais au moment où on a commencé à travailler sur cette vision transmédia-là, j'ai monté une équipe avec les meilleures personnes qu'il y avait à Québec pour faire arriver le transmédia. Donc, une directrice qui venait du monde du jeu vidéo, Valérie, un concepteur qui était un des leads créatifs sur Assassin's Creed. L'idée, c'était on va monter la meilleure équipe puis on va le faire arriver. On avait un super beau projet entre les mains qui était supposé d'être financé, mais qui ne l'a jamais été. Mais on a investi des centaines de milliers dans ce projet-là. En payant une équipe pour faire arriver ce projet-là. Finalement, l'argent n'est pas arrivé, puis il est arrivé des bad luck. Sauf que ça m'a permis pendant ce temps-là, le micro est coupé, hein, je m'excuse, ça m'a permis pendant ce temps-là de façonner cette vision-là de manière plus claire avec des mots. Je vais vous montrer la vidéo corpo qu'on avait faite à ce moment-là. Ça va vous donner une idée un petit peu de la portée puis les fondements de où on voulait s'en aller avec tout ça. Everything starts from nothing. Sound ugly.
The spark of an idea. A seed. Coincidence. A moment of epiphany. When things collide, a big bang. A picture begins to emerge. A vision. Deep from within. Burning us from the inside. It needs to go out. It has to. The gears are set in motion. A ripple effect. It dances in front of our eyes. We seize it. Breathe life into it. Imagination becomes matter. A universe exposing our dreams. Coherent. Consistent. Meaningful. An experience. An experiment. Building worlds. We become pervasive. We foster change. We engage. We take action. And we believe. We are SEGA. La prémisse en arrière de cette vision-là, c'est est-ce qu'on peut changer le monde avec des bonnes histoires puis le storytelling? Ce qui est arrivé après, on a été obligé de mettre à pied tout le monde parce que le financement de ce projet-là n'est pas arrivé. Fait que premier choc dans ma carrière d'entrepreneur, c'était toute une aventure à vivre. Fait qu'on était une dizaine, j'ai été obligé de mettre à pied 8 personnes. Puis ce qui est arrivé à ce moment-là, en fait, il y a une personne qui a gardé sa job une semaine de plus. Parce que c'était pour terminer un dépôt qu'on faisait au Fonds des médias pour financer une plateforme qui s'appelle IO Theater. Donc, quelques mois plus tard, on a eu la réponse positive comme de quoi IO Theater était financé, 500 000 $ qui venaient d'apparaître un petit peu de nulle part. Fait qu'on a converti des dettes en actions privilégiées, on a restructuré la compagnie, puis beaucoup de conseillers financiers m'ont dit « ce que tu devrais faire, c'est faire faillite, fermer, de toute façon, ça n'aura pas nécessairement d'impact sur toi personnellement, puis tu recommences, puis… » Sauf qu'il y a beaucoup de monde à qui je devais de l'argent qui étaient des amis. Puis c'était pas vrai que tout ça, ça allait s'arrêter là. Donc, j'ai décidé de me retrousser les manches. Je me suis dit, ça prend une couple de bonnes années de profit, puis on va s'en sortir. Donc, on a eu le financement de IO Theater. On a fait un projet Kickstarter pour un livre qui s'appelle Wuxia le renard avec mon nouvel associé de l'époque qui s'appelle Jonathan. Puis on a fait un projet avec l'orchestre symphonique qui s'appelle Les Jardins symphoniques. Puis tout ça a comme déboulé à un moment donné, puis on était comme reparti sur une nouvelle lancée. L'idée de faire une plateforme, un logiciel qui pourrait permettre de créer des expériences dans le monde physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont compris qu'est-ce que ça voulait dire, probablement entre autres parce qu'on n'a pas bien réussi à l'expliquer. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est un logiciel qui nous permet de connecter des senseurs dans le monde physique à des contrôleurs. Fait que si je détecte quelque chose, je peux ensuite déclencher une action, puis donc créer une expérience immersive. Mais c'est toute la partie technique. Puis nous, on avait vraiment besoin d'une plateforme comme ça pour faire les expériences qu'on avait en tête. Ça n'existait pas. Mais on l'a fait dans l'idée où on va la faire, puis il y a plein de monde qui vont l'utiliser, puis on va vendre des licences, puis ça va bien aller. On n'a pas vraiment réussi à la vendre, elle non plus. Fait qu'à cause du financement qu'on avait eu, on avait réussi à remonter une équipe d'une dizaine de personnes. Il y en a 7 qui sont reparties. C'est un petit peu épuisant, ce processus-là, comme vous pouvez vous imaginer. Mais une des choses qu'on a réalisées à un moment donné, on est revenu à l'essentiel. L'idée d'avoir du fun dans ce qu'on fait, les raisons d'être de ces projets-là. Puis aussi, l'idée de trouver le sens. J'ai eu à travers ces deux chutes-là, deux enfants, Léonie et Jeanne, qui sont mes deux petites filles. Léonie, elle va avoir 5 ans bientôt, la semaine prochaine en fait. Puis j'avais développé un espèce de coffre à outils, de compétences, puis de choses qu'on était capable de faire, d'accomplir, cette vision-là de peut-être changer le monde avec des expériences immersives. Puis là, mais il y avait la famille, puis il y avait dans notre espèce d'errance pour trouver un marché avec une plateforme, on avait fait du commerce de détail, on avait fait plein de choses qui ne me représentaient pas moi personnellement. Puis je me suis dit, il faudrait probablement, pour être capable de trouver l'énergie de continuer à travers ces espèces d'aléas-là,
que j'aille quelque chose de plus solide qui va comme me grounder, qui va faire que je vais avoir de l'énergie pour continuer. Puis vous en avez probablement entendu parler, mais les enfants ne bougent pas assez dans les écoles. Il y a moins de 10 % des enfants qui font l'heure d'activité physique qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Et ces mêmes jeunes-là font en moyenne 2 heures devant un écran de manière passive. iPad, téléphone, télévision. Il y a des enfants qui n'aiment pas le sport. Ce n'est pas tous les enfants qui aiment bouger, mais tous les enfants aiment jouer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous. Est-ce que vous aimez ça, jouer? On s'est dit que ça faisait un peu 1 plus 1, cette histoire-là. Et le 17 janvier, un professeur d'éducation physique qui a branché un iPad avec une application pour les chats qui s'appelle Jitterbug. C'est des petites bébites, puis le chat, avec ses pattes, il touche pour écraser les petites bébites. Il a branché ça sur un projecteur, puis il a dit aux enfants, « Lancez vos ballons pour écraser les bébites. » Puis lui, avec son iPad, c'est lui qui touchait aux petites bébites pour leur donner l'impression que leur ballon allait écraser les... Fait que 40 millions de visionnements plus tard, je me suis fait taguer dans cette vidéo-là à peu près 200 fois par du monde. « Hey Vincent, vous pourriez faire ça? » Puis là, j'étais dans cette réflexion-là que je vous parlais tantôt. Je me suis dit, « Bon, on va l'essayer. » Fait qu'en une semaine, on a fait la technologie qui permet avec une caméra de détecter où les ballons vont toucher le mur. On a fait un jeu vidéo. Puis j'ai appelé une amie du secondaire, Catherine. J'ai dit, Catherine, vendredi après-midi, on peut-tu venir essayer quelque chose dans le gymnase? Fait que le 4 février, on est allé installer nos trucs dans le gymnase. Les jeunes hallucinaient leur vie, les profs, le directeur, « Oh my God, c'est quoi ça? » On l'a filmé avec un téléphone, on a mis ça en ligne le soir. Puis le samedi matin, quand je me suis réveillé, on avait 800 000 visionnements. Puis j'avais à peu près 12 demandes d'entrevue de médias partout dans le monde. J'ai comme « Bon, OK. » On a fait beaucoup de chemin depuis le 4 février. Au début, c'était un mur interactif, comme vous avez vu dans la première vidéo. Après ça, on s'est dit que ça prendrait peut-être 2 murs, comme vous voyez ici, pour qu'on utilise le plancher, parce que sinon, on est encore en interaction avec juste un écran. Donc, on a fait un système qui s'appelle un duo, 2 murs. Le un mur, c'est Uno. On a refait une vidéo, on a eu le même succès. On est rendu à peu près 25 millions de visionnements de nos vidéos en ligne. On a eu des milliers de demandes de clients ou de partenaires ou de revendeurs. C'est comme en train d'exploser, cette histoire-là. Sauf que faire un produit physique, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'histoire que je vous ai racontée, je n'avais jamais fait ça. Fait qu'on a fait des sketchs. Au début, les premières versions, c'était des bouts de tuyaux avec des équipements dedans. À Bermance, la première école où on s'est installé, tous les équipements étaient installés individuellement au plafond. Fait que c'est comme ça, on va mettre le speaker là, les lumières là, mais il n'y a pas 2 plafonds qui sont pareils. Fait que ce n'était pas scalable. Il n'y avait pas moyen d'amener ça à une certaine envergure ou un certain volume. Fait qu'on a décidé de faire une espèce de boîtier. Oui. Ah. Mais ce que je peux faire, par exemple, c'est baisser le son ici. Fait que vous n'entendrez plus la différence. Là. Ah non, c'est faux. C'est pas vrai. J'aurais essayé. Donc, l'idée de faire un boîtier dans lequel on pourrait tout assembler ces équipements-là, de manière à ce que ce soit plus facile à installer. Puis aussi, il y avait l'objectif de les protéger, les équipements, parce qu'un gymnase avec un jeu avec des ballons, c'est un petit peu aride pour des équipements, projecteurs ou ce genre de choses-là. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de travailler sur des boîtiers. Comment on fait pour désigner des boîtiers qui vont aller s'installer de manière sécuritaire au-dessus de la tête des gens dans une école? Il y avait une courbe d'apprentissage qui venait avec ça, quand même impressionnante. Fait qu'on a travaillé avec des designers industriels qui ont fait des plans, qui ont sketché avec nous. Une fois qu'on a trouvé on a fait un prototype. Puis éventuellement, on est allé installer nos premiers de ces unités-là. On a appris beaucoup, on a corrigé plein de choses. Après ça, on en a fait une batch de 25. Fait que nos bureaux, avant, c'était des bureaux qui ressemblent à des bureaux comme on voit un petit peu partout, mais maintenant, ça ressemble plus à ça. On travaille en plein milieu des équipements. On vient de monter un mur avec un système qui est là en permanence pour nous permettre de faire des tests, des démonstrations, puis ce genre de choses-là. Puis on a installé notre premier système aux États-Unis il y a 2 semaines. D'après moi, d'ici à Noël, on va en avoir installé une trentaine. Puis je ne sais pas si vous voyez les petits logos qui sont là. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Fait que c'est des normes. Fait que là, nous, on est en train de faire une certification qui s'appelle CETL US.
C'est complètement hallucinant la quantité de critères ou de choses qu'il faut qu'on réponde pour être capable d'avoir ces normes-là. Puis il n'y a pas beaucoup d'aide pour se préparer à ça. Fait qu'en ce moment, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un produit, comme on pensait. On l'a shippé au Texas dans un laboratoire de tests. Puis là, ils passent des tests. Puis les noms des tests, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis il y en a qu'on passe, puis il y en a qu'on rate. Puis il faut faire des modifications sur le produit. Puis hier, j'étais en rencontre avec un consultant pour la partie certification. Puis il m'a expliqué ça voulait dire quoi, la petite poubelle avec un X dessus qu'il y a sur les produits. Puis c'est tout le processus qu'il faut faire pour que notre produit soit recyclable, récupérable. Fait qu'il faut fournir de la documentation en Europe, en Asie. Puis nous, vu que c'est les gens qui nous ont découvert, on n'a pas dit « OK, on s'en va aux États-Unis, puis après ça, on s'en ira au Mexique. » Ou là, c'était le web qui a fait que les gens ont découvert notre produit. Fait que là, on n'est pas en train d'exporter aux États-Unis, on exporte dans tous les pays en même temps. Fait qu'il faut comprendre toutes les normes de tous les pays en même temps. C'est un cauchemar. Puis en bas, c'est Google Translate, mon meilleur ami. Je reçois des mails en italien. Je ne sais pas pourquoi les gens nous écrivent en italien. Notre site web n'est pas en italien, mais ils m'écrivent en italien. Fait que je traduis leur courriel dans Google Translate, je leur réponds en français, puis je retraduis mon courriel dans Google Translate, puis je leur renvoie. Fait qu'il y a plein de monde qui pense que je parle italien en ce moment. Et d'autres langues. En haut à gauche, c'est Simon, mon associé, qui est dans l'ombre, qui est la tête pour toute la dimension technologique en arrière de notre système. C'est un développeur de jeux, il a été chez Ubisoft avant d'être avec nous. Il est hallucinant. Il n'y en a pas deux comme Simon. C'est Simon qui a tout développé, la partie vision, la partie contrôle d'éclairage. On a des tonnes de problématiques qu'on a découvert au fur et à mesure où on faisait des installations. C'est avec Simon à tous les jours qu'on est en train de travailler sur des solutions pour tous ces problèmes-là. Puis ce que vous voyez dans les images, c'est l'installation qu'on a faite aux États-Unis avec les jeunes qui avaient quand même hâte que le système soit installé dans leur gymnase. Ça, c'est les quatre LU qui sont installés en ce moment. Donc, à gauche, c'est l'Externat Saint-Jean-Vermance, qu'on voit dans nos vidéos si vous allez en ligne. C'est la première école qu'on a fait en mars l'année dernière. Fait que c'est eux qui l'ont depuis longtemps, qui sont en train de... avec qui on a travaillé beaucoup même pour le développement de jeux. Puis là, avec toutes les nouvelles écoles avec qui on est en train de... chez qui on est en train d'installer le système, on va mettre en place une mécanique pour être capable de collaborer, pour aller chercher des idées de jeux. Puis on est encore en rodage. C'est un nouveau produit... Donc, les Ursulines, puis l'installation aux États-Unis. Ça, c'est la carte du trafic sur notre site web en un mois. Ça vous donne une idée un petit peu de qui vient nous voir. On pogne pas mal en Asie. Il y a plein de médias asiatiques qui ont repris nos vidéos, qui en ont refait des vidéos qui sont eux autres aussi devenues virales. Puis, fait que Hong Kong, Séoul, les Philippines, l'Indonésie, tous les pays arabes. Il y a vraiment eu un beau buzz pour nous de ce côté-là. C'est quoi la suite de l'histoire? Notre vision avec lui, c'est de faire le gymnase du 21e siècle. Les gymnases n'ont pas changé depuis 100 ans. Avec tout ce qui existe maintenant comme outil, je pense qu'il y a des choses hallucinantes à faire. Puis lancer des ballons, puis détecter où les ballons arrivent sur le mur, c'est vraiment la pointe de l'iceberg de ce qu'on est en train de développer en ce moment. Puis il y a au moins 650 000 gymnases qui pourraient avoir un lieu en ce moment, selon les premières analyses qu'on a faites. Fait qu'on a quand même du pain sur la planche. Merci tout le monde.